Salim nous a rejoint sur ce plateau pour nous parler de ce match Nice-Bastia. Qu'est-ce qui s'est passé? On va rappeler effectivement un peu le contexte autour de cette rencontre. Déjà sportivement parlant, les Bastiais se sont imposés à Nice, 1-0. Sportivement important, on aura l'occasion d'évoquer dans un instant. Symboliquement également, puisqu'il y a une rivalité entre les deux formations. Là aussi, on va l'aborder dans un instant. Mais qu'est-ce qui s'est passé précisément? Regardez cette photo. Coup de sifflet final, Jean-Louis Leca, le gardien remplaçant de l'équipe du Sporting Club de Bastia, sort du banc et brandit ainsi le drapeau corse devant la tribune, des tribunes de supporters de l'OGC Nice. Ces supporters ne sont pas contents. Certains joueurs niçois tentent d'arrêter Jean-Louis Leca. Ce n'est pas possible. Conséquence, bagarre entre les deux clubs. Des stadiers tentent de les séparer. Il faut rappeler également qu'autour de la pelouse, il n'y a pas de grillage. Cela permet et cela facilite l'entrée des supporters sur cette pelouse. Écoutez d'ailleurs après la rencontre Didier Digard, le capitaine niçois, et Jean-Pierre Hivert, le président de l'OGC Nice. J'avais jamais vu ça. Nos supporters ont été irréprochables. Ils se font toujours taper dessus. Aujourd'hui, on a perdu, qui plus est, un derby. Malgré ça, de la première à la dernière minute, ils nous ont encouragés. Sincèrement, j'espère que les gens auront cette vision des choses, de nos supporters qui se sont bien conduits tout le match et, voilà, et d'un joueur méconnu qui est venu tout gâcher à la fin. Je pense que dans ce genre de match, qui sont des matchs tendus, bon, le résultat, c'est le résultat. On gagne des matchs, on les perd, c'est le football. Après, le reste, pour moi, c'est pas du football. Enfin, nous, dirigeants, on n'est pas là pour voir ce genre de choses. Le maire de Nice également s'est exprimé autour de cette situation en étant scandalisé par les gestes de ses supporters niçois. Néanmoins, il demande aussi une sanction pour Jean-Louis Leca, le gardien bastiais, qui pourrait être sanctionné par la Ligue de football professionnel, cette LFP, qui devrait, pourquoi pas, prendre le dossier en main d'ici quelques heures, quelques jours. Cette rivalité, elle vient d'où entre les deux clubs? Alors, il faut rappeler qu'il y avait un arrêté préfectoral autour de cette rencontre. Les supporters bastiais n'avaient pas le droit de se déplacer à Nice. Pourtant, au début du XXe siècle, il y a beaucoup de joie entre les deux équipes, puisque même les supporters et le club de Nice pouvaient régulièrement aller à Bastia sur invitation des dirigeants bastiais. Mais cette rivalité va naître davantage aux alentours des années 60-70. En effet, à ce moment-là, il y a une communauté estudiantine corse très importante à Nice qui a et qui rêve en tout cas d'une indépendance corse. Le sentiment de nationalisme corse naît et où exprimer ce sentiment tout simplement dans les stades, et notamment le stade du Ray, l'ancien stade niçois. Des bagarres sont extrêmement importantes, notamment dans ce stade du Ray, également avec la police, considérée comme représentant du, entre guillemets, pouvoir colonial. Il y aura d'autres incidents, notamment en 1992, où 3000 bastiais descendent à Nice et saccagent la ville de Nice. On l'aura compris, extrêmement de tensions entre les deux formations.